Bonjour à Agent RCOM et merci pour votre travail sur les risques naturels. Oui, effectivement, les activités humaines pouvaient engendrer des risques, comme par exemple la pollution, c'est ce que nous avions vu lors de la dernière leçon. Mais cette nouvelle leçon va effectivement s'intéresser aux risques naturels. Alors, vous prenez une nouvelle feuille et vous notez à la suite. Leçon 4, 2 points. La planète Terre est une planète active. Sautez une ligne. La planète Terre est une planète active qui possède une activité interne et externe. Point. Les manifestations de ces activités présentent parfois des risques pour les êtres humains. Point. Effectivement, grâce à votre travail en classe, j'ai pu améliorer mes bases de données. Oui, parce qu'il existe des risques naturels, comme celui que vous voyez ici, par exemple un ouragan qui a été filmé depuis l'espace, ou alors comme celui-là, oui. Un volcan avec une lave très chaude et qui s'écoule, qui est là aussi un risque. Et vous aviez d'ailleurs vu qu'il existait des risques d'origine interne et d'origine externe. D'ailleurs, pour bien le mémoriser, vous le notez à la suite du cours. Grand 1, il existe des risques naturels liés aux activités de la Terre. Point. Sauter une ligne, définition à la ligne, manifestation de point, action de rendre un événement visible, point. À la ligne, aléa, de point. Événement connu, imprévisible. Point. Sautez une ligne. La planète Terre présente des activités, de points, internes, qui proviennent de l'intérieur de la Terre, virgule, comme le volcanisme ou les séismes, entre parenthèses tremblement de terre, à la ligne tirée, externes, qui se passent à l'extérieur de la Terre, virgule, comme les orages ou les tempêtes. Point. Donc, il existe des aléas d'origine naturelle, mais qui ne sont pas forcément des risques. Oui, si on regarde une carte de la planète Terre, on se rend compte qu'il existe de nombreuses zones non habitées. Alors, par exemple, une tempête de vent en plein Sahara ne va présenter aucun risque alors que c'est un aléa. Oui, il peut y avoir des aléas qui ne présentent aucun risque naturel, il suffit qu'ils se produisent dans des zones qui ne sont pas habitées. Un séisme le plus puissant du monde peut ne faire aucune victime si par exemple il se fait en haut de l'Himalaya, donc dans une zone totalement inhabitée. Donc il faut bien faire la différence entre un aléa et un risque naturel. Un aléa est un événement qui peut se produire et qui peut provoquer des risques si jamais il se produit dans une zone qui est habitée. Pour être bien clair, vous notez à la suite du cours. Ces activités sont des aléas qui peuvent présenter des risques pour les êtres humains, suivant où ils se produisent. Maintenant que cette classification des aléas et des manifestations de l'activité de la Terre est bien faite, en activité d'origine interne et activité d'origine externe, vous allez avoir à étudier ces deux catégories à la suite. D'abord les activités d'origine externe, puis les activités d'origine interne. Mais ça, vous le ferez lors du prochain cours.